Extinction totale des lumières. Je n'ai pas étudié échec. Je peux avoir le joker. Avant cela, je vais vous demander de choisir des lettres de A à F. Justement, le joker, c'est à ce niveau-là. De A à F. A, B, C, D, E, F. Il faut choisir comme ça s'appelle, mais là, allez-y, madame. E comme Estelle. E comme Estelle. Donc, glisse pour... E pour glisse. C, Tia. C pour Tia. C comme Kia. A pour Dija. Ah, pardon. A pour Dija. OK. Dija qui n'a pas révisé ses leçons. Oui, vraiment. Personne n'a révisé. Ensuite, il reste les lettres D, F et... B. D, F et B, c'est ça. B pour moi. B pour Sarah. Ah, c'est à quoi tout ça? D et F. D et F, Yasmine et Sonia, c'est à vous de choisir. Ah, là, là, c'est D qui a vu. F pour Sonia. Et naturellement, Yasmine, ce sera le D. Ouais. On va démarrer à ma gauche. Allumage de lumière sur glisse, la glissaille. À ce moment-là, chaque fois, il dit la glissaille. Là. Il n'y a rien trouvé. Allumage de lumière sur glisse, la glissaille. Pour qui j'ai naturellement deux questions. Glisse de l'équipe des Belleuses. Alors, glisse. Il y a deux phrases qui vont s'afficher. Ce qui m'intéresse, c'est le mot que je vais vocalement surligner. Là où le bas blesse, pour cette société, c'est sur le front du marketing. Comment écris-tu le bas? B-A, accent circonflexe. T-B-A-S. Ce sont les deux propositions. Deux heures avant. Le premier, là où le bas blesse, là, pour cette société. C'est-à-dire B-A, accent circonflexe. Mm-hmm. Ce sera ton dernier mot? Oui, oui. Bon point. Vous montez à 32. Le bas, qu'il faut rappeler, donc, est un dispositif en bois qui est placé sur le dos des bêtes de somme, donc un cheval, par exemple. Mm-hmm. Là où le bas blesse, c'est une expression pour dire là où ça cause des plaies. Deuxième question pour Glisse. Il faudra donner le genre du mot épigramme. Est-ce féminin ou masculin? Dans ton entendement. Buzzer avant. Épigramme. Qui est un mot satirique. Je ne sais pas. Venu chercher ici, là. Ah, on va dire un épigramme, une épigramme. Féminin. Ce sera ton dernier mot? Oui. Bon point. Vous montez à 33. Extinction de lumière sur glisse. Je vais me tourner vers Dija, qui n'a pas révisé ses cours et qui a choisi la phrase A. Je rappelle le score. 33-18. Quand quelqu'un gagne comme ça, la pression est énorme. Je vous saurais gré de prendre part à la réunion cet après-midi. Je vous serais gré de prendre part à la réunion cet après-midi. Quelle est la bonne formulation? La première formulation. C'est-à-dire, je vous saurais gré. Ce sera ton dernier mot. Oui. Bon point. Vous montez à 34. Savoir gré, être redevable de quelque chose, de quelqu'un. Et non, je vous serais gré. On attend, ouais, mais... Termite. Masculin ou féminin, d'après toi? Féminin. Non? On ne souffle pas. Mais j'ai fini de parler où? C'est déjà gâté. Non? Vas-y. Tu as 5 secondes. Okay. Masculin ou féminin? On ne souffle pas. C'est un one-to-one. Dans le moment de Malia. Ah, mon féminin. De façon. Ce sera ton dernier mot. Oui. Vous tombez à 33. Au moins, je n'ai pas étudié, mais ça va. Un termite et non une termite. C'est que nous, au moins, ici, on a l'habitude de dire termite. Oui, c'est pas ça qui est bon. Donc, bon. Extinction lumière, c'est celle qui a l'habitude de dire une termite. Et je vais me tourner vers Tia qui a choisi la phrase C qui comporte en elle-même deux questions. Il est arrivé second alors qu'il y avait 500 participants. Il est arrivé deuxième alors qu'il y avait 500 participants. Laquelle de ces phrases est la bonne formulation? Buzzer avant. Très cher. Je réfléchis, attends. Oui, mais ça compte tout ça. Tu as 20 secondes en tout et pour tout. 15 secondes. Il est arrivé deuxième. Ce sera ton dernier mot? Ouais.
Bon point. Vous remontez à 34. Il est arrivé deuxième. Car usuellement, quand on dit second, c'est qu'il n'y a pas de troisième. Il n'y a plus de suite. Bon point. Plus un. Deuxième et dernière question pour Tia. Quel est le genre du mot anagramme ? Féminin ou masculin ? Un anagramme. 10 secondes. Un anagramme. Ce sera ton dernier mot. Oui. Ah, ça m'énerve. Féminin. Vous tombez à 33. Vous perdez un point. Ouais, c'est là-bas. Fallait dire un anagramme, qui est donc un mot formé, évidemment, des lettres d'un autre mot dans un ordre différent. Extinction lumière sur Tia, qui boucle la boucle du côté des BRSEuses, qui totalise 33 points. Je vais me tourner à présent vers Yasmine Reda, qui va ouvrir le bal de ce one-to-one du côté des PASEuses. Je rappelle le score, 33-18. Yasmine Reda qui a choisi la phrase D. Il nage dans des eaux turquoises. Pas de S à turquoise, X à O. Il nage dans des eaux turquoises. X à O, S à turquoise. Quelle est la bonne formulation ? S ou pas de S à turquoise ? Buzzer. 15 secondes. Il nage dans des eaux turquoises. C'est plusieurs eaux qui sont turquoises. 10 secondes. Bon, il nage dans des eaux. L'eau, là, c'est turquoise. Il y a beaucoup d'eau. 5 secondes. 5 secondes. Bon, d'accord, il nage dans des eaux turquoises. S ou pas de S? Ah, turquoise, vous voulez dire? Oui. Ah, d'accord. Donc, j'aurais dit S dans la logique, mais comme vous me posez la question, c'est peut-être... c'est ça, deuxième. Là. S ou sans S? S. Il a dit à pas S, c'est vous qui avez fait cette chose. C'est elle qui a fait sa tête comme sans ça. Sans S. Mais si c'est un chat qui te pose, c'est le contraire. Sans S. C'est facile comme ça. Parce que certaines couleurs sont en fait des noms qui sont mis en apposition, comme quand on dit marron, orange, turquoise, caramel et tout, pas de S. Dernière question pour Yasmine Reda. Ok. Quel est, d'après toi, le genre du mot entr'acte ? Je rappelle que l'entr'acte, c'est les diverses parties d'un spectacle. Toi qui fais des téléfilms. Quel est le genre de l'entr'acte ? Masculin ou féminin ? Buzzer. En général, on dit à l'entr'acte, alors... 10 secondes. Vraiment que... Bon, il y a chaud. Une. 5 secondes. Un entr'acte, ça fait vilain. Comment ? À l'entr'acte de l'émission. Bon. On ne souffle pas. Masculin ou féminin? Time out, ce que okay, tu diras maintenant. It's feminine. Plutôt masculin. Vous tombez à 16. Un entr'acte. C'est pas facile. Extinction lumière sur Yasmine. Je vais me tourner à présent vers Sarah, qui a choisi la phrase B. B comme bonheur, B comme buzzer. Sarah, bonne chance. Merci, Yachou. Les choses vont de mal en pis. Les choses vont de mal en pire. Buzzer avant. Buzzer. 20 secondes. La première phrase, les choses vont de mal en pis. Ce sera ton dernier mot ? Oui. Bon point. Vous remontez à 17. Les gens derrière ont l'air choqués. De mal en pis et non de mal en pire. C'est aussi cela la vocation de ce one-to-one. Corriger ce qui est admis comme vrai, mais qui ne l'est pas à la vérité. Deuxième et dernière question pour Sarah Adico. Scolopendre, masculin ou féminin ? C'est une sorte de mille pattes, là, tu sais, dont ont peur les femmes. Scolopendre, buzzer, 10 secondes. Masculin ? Ce sera ton dernier mot ? Oui. Je dis non. Ah là 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 là. On a peur de nous-mêmes, notre même on dit scolopendre. Oui. C'est féminin. On ne dit pas un. Malheureusement pour on vous. On ne dit pas un. C'est ça, franchement. My God. Extinction de lumière sur Sarah Adico. Je vais me tourner vers Sonia. Vous m'avez dit de courage de cette affaire. Scolopendre. Je rappelle le score. 33-16. Au moins, si on ne fait pas moins, ça ne dirait pas mal. Sonia, je compte
tout entreprendre pour pallier à ce problème. Je compte tout entreprendre pour pallier ce problème. Doit-on dire pallier à ce problème ou pallier ce problème? Silence studio. Je crois que c'est la seconde. C'est-à-dire pallier ce problème. Ce sera ton dernier mot? Oui. Bon point. C'est ça, avec chaque, c'est le contraire. C'est ce qu'il y a, le mec. Mais tu sais, moi, c'est ça, j'ai décidé de fonctionner à l'absurde. Ce qui me semble vrai, c'est pas vrai. Alors, vous montez à 17. Merci non, beaucoup. C'est pallier ce problème. Parer à toute éventualité. En fait, pallier détient en soi la préposition déjà. Donc, rajouter « à » ferait hyper redondant et donc pas français. Wow. On va terminer la boucle avec cette autre question. Quel est le genre du mot antipode? Est-ce masculin ou féminin? C'est vrai que c'est un lieu qui est situé à l'opposé d'un autre, pour info. Bon, sachant qu'un antipode, ça serait logique, et qu'ici, on ne fonctionne pas de manière illogique. Sachant qu'il te reste 10 secondes. Bah, j'ai envie de dire une, parce que s'il dit un, là, tu as dit que ce n'est pas un. D'accord. Ce sera ton dernier mot. Ouais. Une antipode. Donc c'est un. J'avais dit un. Mais non, mais parce que lui, c'est toujours le contraire. C'est le contraire. Donc, vous tombez à 16. C'est vrai qu'on utilise généralement au pluriel aux antipodes, mais c'est plutôt un antipode. Non, mais c'est un antipode. 33 pour les belesseuses, 16 pour les péasseuses. Que la lumière soit. La lumière.